Hello, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, plus de vidéos, je suis nouveau sur le canal. Donc aujourd'hui, on va changer un peu de tactique. Je vais faire deux coups. Je vais faire un coup en bordure à 5 mètres et un coup au large à 10 mètres. Et on va essayer de faire quelques plaquettes. Ça va pas être évident pour passer les petits poissons, mais on va quand même essayer. Donc aujourd'hui, je vais utiliser pour le large. On va utiliser 1 kg de black canaille. Je vais descendre la caméra que tout le monde le voit. Voilà, donc 1 kg de black canaille et 1 kg d'amorce à brème de Richard. Donc on va augmenter le pouvoir gustatif de cette amorce. On va essayer de choper quelques gros poissons aujourd'hui. Et j'ai mis de la black canaille. C'est vraiment pour avoir une amorce qui est foncée et pas trop claire. Voilà, donc sèche. Ce que ça donne, ça fait une amorce foncée. Voilà, parce que la black canaille est fonce. Donc on va mouiller ça. Encore un peu. Et je vais amorcer également que la coupelle. Que ce soit en bordure ou large. Je vais pêcher avec la même amorce sur les deux coups. La seule différence, c'est les éches ou large. Et au bord. Je vais vous montrer après ce que j'utilise. Voilà le prébouillage est fait, on va la laisser gonfler. Ça fait vraiment une amorce avec une très bonne odeur et qui est très onctueuse. Voilà, pour voir ce que ça donne. Voilà, vraiment une amorce bien foncée. Voilà, et qui va travailler correctement. Je vais juste la mouiller un tout petit peu et on va laisser gonfler tout ça. Voilà, on va laisser gonfler tout ça. Je vais vous montrer les éches que je vais utiliser. Ça de côté pour faire les lignes. Donc ce que je vais utiliser au large, donc j'ai principalement utilisé dans l'amorce de départ des asticots morts, des pinky morts. Voilà, j'ai toujours un petit ami qui va sur une boîte, donc ça permet de remettre ça dessus et dégoûter tout ça pour que les pinkies ne soient pas qui me mouillent pas l'amorce. Voilà, on va laisser ça dessus, on appuie un peu dessus. Voilà, et je vais toujours garder le jus si jamais il faut que je remette en bouteille. Voilà, donc on va laisser ça de côté. On se lave les mains. Voilà, donc ça c'est pour le large au départ dans les boules, et bien sûr voilà, je vais utiliser quasiment que des pinkies. Voilà, là c'est des pinkies on va dire assez récents qui vont servir pour écher, et les plus vieux ils vont aller dans les boules, et je vais surtout pêcher avec ça au bord et peut-être même à l'agrainage au bord avec des pinkies sur le coup de bordure. Et pour l'occasion, j'utilise aussi le nouvel ensemble Corum que Richard a sur le site. Et franchement, c'est extrêmement souple, que ce soit la salopette et la veste.
pour le prix, c'est vraiment un très bon produit. Donc on va se retrouver sur la station pour que je vous montre un peu les lignes. Allez, à plus tard. Bon. On est de retour sur la station, donc maintenant je vais vous présenter les lignes que je vais utiliser. Donc au large, pour essayer de choper quelques brèmes, on va voir. Flotteur LMPC 11 d'1,5 g. Deux plans touche numéro 11. Trois plans numéro 10 intermédiaires. Et le groupe de plans au-dessus. Voilà, c'est ce qui va me permettre de voir les touches au relevé aussi. Voilà, donc ça c'est pour la première ligne au large. Pour la deuxième ligne au large, donc je vais utiliser un flotteur, si je ne me trompe pas, c'est 1,10 g pour le large, un gold, une plombée pour les gardons pour l'instant, plan touche numéro 9, un plan intermédiaire numéro 8 à 12 cm et 10 cm plus haut, le groupe de plans. Et j'ai un bas de ligne en 8 centièmes avec un hameçon 18 fin de fer. Et j'utilise aussi sur ce kit là un élastique très souple de 0,8. Voilà, et sur la grosse ligne que je n'ai pas présentée avant, j'ai exactement le même élastique dessus. J'ai aussi un 0,8. Parce que les brèmes ils se décrochent facilement ici. Donc il faut vraiment avoir un élastique très souple. Pour la ligne du bord, donc ça sera le même flotteur. Flotteur gold, mais en 0,90. Et la plombée, c'est exactement la même. Hameçon 18 en 8 centièmes, plan touche numéro 9 à 12 cm, plan numéro 8 intermédiaire et le groupe de plan à 10 cm plus haut. Voilà, donc ça sera la ligne pour pêcher en bordure. Voilà, je vais vous essayer de vous montrer un peu le canal. Ouais, tourner la caméra si ça marche. Non, ça marche pas. Donc je vais couper, je ferai une troisième vidéo pour ça. Allez, à plus tard. Le retour, voilà, donc je vais mettre sur la station et on va amorcer ensemble, hein, je vais amorcer à la coupelle, donc vous ne m'entendrez plus parce que c'est trop loin, donc je passe à l'amorçage. Allez, c'est parti.
Voilà, l'amorçage est fait, je vais couper la vidéo. Et on va faire encore une vidéo en cours de pêche et j'en ferai encore une pour la session finale. Allez, à plus tard. Voilà, petit retour. Donc, bilan de la pêche. Après 2 heures, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très, très, très compliqué. J'ai commencé au bord. J'ai fait quelques poissons, des gros gardons, des petits. Et j'ai eu une chasse au bord d'un brochet. Vraiment un gros brochet. Donc là, j'ai un gros brochet dans le quartier. Ça fait 2 fois qu'il est venu. J'ai quasiment pas de touche. Et au large, la première coulée que je fais au large, j'ai fait une perche qui doit faire entre 25 et 30 cm. Donc je suis emmerdé aujourd'hui par les carnassiers. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça. En plus, aujourd'hui, sur le canal, il n'y a pas de navigation, pas de courant. En plus, le vent du nord qui remonte la coulée. Donc c'est vraiment des conditions, on dirait que je pêche au mois de décembre. C'est vraiment compliqué. Donc là, je suis à peu près combien? À 29 poissons. Voilà. Donc j'ai 29 poissons, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, j'ai presque plus de touche. Donc au bord, j'ai plus de touche du tout. Depuis que le carnassier l'a chassé il y a 1 heure. Donc les seules touches que j'ai encore, c'est au large, mais c'est vraiment très timide. Je viens de faire la première plaquette avant. Donc peut-être avec la chance, il y a quelques plaquettes qui vont rentrer, mais j'y crois pas trop, parce que là, il fait vraiment froid. Le poisson commence doucement à avoir plus de touches au large. Et puis des carnassiers. Bon, des perches, j'en ai fait 4 ou 5. Mais vraiment une très très belle perche. Donc avec des poissons comme ça, c'est sûr que le reste. En plus, la perche, elle avait la gueule remplie de pinky, elle a tout bouffé. D'en faire encore un et puis je vais couper et puis on verra d'ici 1h30 on verra ce qu'on est arrivé à faire, mais j'y crois pas trop. Ça sera pas les pêches que je faisais d'habitude, mais bon, il n'y a pas un jour comme l'autre. Aujourd'hui on n'a pas de courant aussi, ça fait beaucoup. Il n'y a pas d'éclusé, il n'y a pas de courant, et quand t'as pas de courant sur le canal comme ça, c'est compliqué. Les autres fois que j'étais là, il y avait du courant. Il y avait toujours un léger courant et là, il n'y a rien. Là, c'est vraiment que là. On va voir si on arrive encore à en faire un. Mais les touches, c'est pas suivi. Hein. C'est vraiment des rares touches. Et même en rappelant, on peut faire ce qu'on veut. On s'en veut pas, ça veut pas. C'est la pêche. Je pense que si on arrive à faire une cinquantaine de poissons aujourd'hui, on a bien bossé, quoi. Mais là, c'est vraiment très compliqué. J'ai même changé de ligne. J'ai fait une ligne en 0,40, ça change rien. Il y a plein de carnassiers qui sont actifs et les alevins ont disparu aussi à cause des perches. Autant on faisait plein de ou petits poissons et là ils sont pas là. J'ai fait 0 petits poissons aujourd'hui. Ah,
une ablette dont on tient un poisson. Voilà, on va couper la vidéo. Et j'en ferai encore une avec le bilan de la pêche, on verra bien. Voilà, donc prendre deux poissons et puis voilà. Hop. C'est réglé, à plus tard. C'est beau, hein? Ouais, un beau grand. Oh, oui, il est beau. Ouais. Une belle perche avec aussi. Ouais, une belle perche. On a 103 poissons.